Sonic Hero. Ouais, je le fais mal. Faut avoir la voix pétée pour bien chanter. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la deuxième partie de Sonic Heroes. Et cette fois-ci dans une course-poursuite dans le flipper. Attention. Le thème d'avant était sympathique, mais celui-là il est assez moyen par contre. Il est très répétitif et... prise de tête ce thème. Hein, surtout quand on met du temps à faire le niveau. C'est un casse-tête le machin. Voilà, faut pas se faire repérer. Là, il nous explique qu'il faut pas se faire repérer par ce robot. Eh, moi, je me souviens de tout. Hein. En même temps, quand même, j'ai joué 100 heures à ce jeu. C'est vrai en plus. Ah merde! Ah, j'ai pris la clé. Non! On va avoir un niveau bonus moisi. Bon, c'est pas grave. Ah oui, et ceux-là, on peut pas les tuer. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il foutait, la Tail? Ah, faut empêcher les trucs de tourner, mais comment? Peut-être qu'on peut le tuer? Ah si, on peut le tuer. Avec Knuckles. Il n'y a pas un derrière, non? Bah, l'interrupteur, évidemment. Sachant que là, on peut vraiment tourner librement la caméra de, à droite à gauche. Contrairement à Sonic Adventure, où la caméra après se remettait elle-même devant. C'était assez moyen ça. Voilà, mais quel big boss, mais quel skill! Mais je me suis viandé à la fin. Ah, c'est bingo quand même! Moi, bah, c'est mes potes qui étaient derrière. Voilà, mais quel fail! Cause par style, je suis balancé dans tous les sens. Je ne comprends plus rien à ma vie. Ah, ces ennemis là ils sont relous parce qu'ils nous emprisonnent dans leurs espèces de tentacules là. Et ils sont relous. C'est déjà arrivé que plusieurs fois que je sois mort par ces ennemis-là. Parce que il y en a eu trois d'un coup et boum, je me suis pris. Comme un noob. Et par la suite, bah, je pouvais pas me délivrer parce que les trois étaient emprisonnés par ces ennemis. Sachant que quand on est emprisonné par ces ennemis-là, bah, c'est fini. Obligatoirement que quelqu'un vienne nous aider. Ouais, lui il est plus costaud que les autres. De toute façon, dès qu'ils changent de couleur, ils sont plus costauds. Hein? C'est. La Team Sonic, hein, franchement. C'est vraiment des développeurs qui ont beaucoup d'imagination hein, en termes d'ennemis. Hein. Vous le voyez hein, par vous-même. La couleur change, c'est énorme. C'est une révolution, ça n'a jamais été utilisé dans les jeux vidéo. C'est incroyable. Bon, j'espère qu'il a eu hein. Ah là, il faut surtout pas aller dans la croix, sinon on tombe. Sachant que c'est pas trop maniable. Bingo! J'ai gagné 10 anneaux. Non, j'ai pas vu, mais... mais quel magnifique screenshot en dessous. Merde. Franchement, on pourrait croire que c'est presque de la 3D, hein, c'est bien foutu. C'est pas le vieux screenshot qu'on a, le vieux JPEG qu'on a dans Sonic Adventure 2, là, quand on est dans la ville. C'était via Skype. City Escape, le meilleur thème, hein, le thème best thème ever des Sonic. Bon, bah pour ceux que vous, qui a pas regardé, pour ceux qui ont pas regardé le mon top 20, bah vous êtes spoilé, voilà. C'était le petit spoil. C'est gratuit. Le petit spoil.
le petit spoil des familles. J'aime bien spoiler. Mais... oh purée. Bon, alors là, il faut trouver l'interrupteur. C'est une énigme. Une énigme dans Sonic. C'est incroyable. Enfin, il y avait un bumper. Et voilà, un interrupteur. Peut-être qu'il n'y en avait besoin que d'un. J'espère. Oui. Comme le dit si bien Thaïs. Oh oui! Oh, c'est épileptique! Oh, oh, je ne pourrais pas finir cette vidéo! Dites à ma famille que je les aime! Ah merde! Il faut aller à gauche. Voilà. Oh là là, oh là là, oh ce fail! Oh bah c'est parti pour un E! Oh en plus ils nous remettent d'ici! Mais ils sont sérieux! Ils sont sérieux! Seriously! Not bad. You are very crazy. J'adore les bugs. Bon là, si vous avez pas compris, je vais vous expliquer. C'est que quand on vole avec Tails. On a, voilà, là on peut pas aller plus haut, on a un espèce de mur invisible, au bout d'à peu près 3 mètres. Et ce mur invisible ne disparaît pas tant que la jauge d'endurance de Tails n'est pas épuisée. Et donc voilà ce qui se passe quand on va là-dessus. Voilà. C'est un bug magnifique. Donc par moment on veut que la barre ne soit plus remplie. Le problème, c'est que par la suite, eh ben, on tombe comme une merde. S'il y a un trou. Sachant que ça m'est arrivé dans le niveau avec les crapauds. Enfin, les grenouilles, là. Ça n'empêche. Les niveaux, vraiment, dans Sonic, par contre, sont vraiment trop longs. C'est un peu... c'est le point faible de Sonic. Ils sont vraiment longs. Mais longs. 7 minutes. En moyenne c'est 2 minutes 30 quoi. Ils sont déjà morts les deux autres. Parce que le truc c'est qu'on compte sur les deux autres après pour si jamais nous on est mort et ben on reprend un autre perso pour pas direct perdre une vie. Bref c'est que les deux sont morts là, comme des bouses. Oula c'est la sensation là. On y va à fond. On est dans Space Mountain. Oh l'anneau, l'anneau, je l'ai vu. Purée. Purée, c'est pas vrai. Non. Non. Voilà. Là, faut détruire ces trucs-là. Repris de Sonic the Hedgehog 1. On peut dire que dans Crash Bandicoot, je connais presque rien, mais dans Sonic, je suis calé là-dedans. Magnifique. Dans les niveaux bonus de Sonic 1, on a aussi des trucs comme ça qu'il faut taper 3 fois pour qu'ils disparaissent. Attention, le E. Oh yeah! Je crois que je vais mettre à E. En image pour la vidéo, je vais mettre un E, en gros. Ça incitera les gens à venir. Si vous voulez des fails, c'est maintenant. Allez, 24 heures. Non, 23 heures et 50... Attends, on a mis combien de temps à faire les deux niveaux? 23 heures... On va dire, allez, 23h45 en gros, ouais.
grosso modo. Donc, non, il reste pas une journée, hein, je suis désolé, Dr. Eggman. C'est encore moins. Ah, c'est un combat épique. Là, ils sont pas fait chier, hein, c'est un niveau, c'est un boss avec juste des ennemis. Finalement, c'est pas un boss, hein, c'est plutôt un comment on appelle ça, hein, un battle rush. Un survival. Un survival ennemi. Non, bah, un battle rush, c'est bien. Ouais, ils foncent tous dessus, là. Allez, un petit coup de ça. C'est cheaté. C'est devenu un beat'em all, hein. Sonic Hero. Finalement, Sonic Boom n'est pas la création du beat'em all dans un Sonic. C'est pas la première création d'un beat'em all dans un Sonic. Alors, on défonce tout. Il y a encore des ennemis. Purée, pas ceux-là, non! Je ne veux pas mourir. Ah, évidemment, les tortues. Oh, purée! Gros tas! Oh, purée! Ouais. Quel talent! Et voilà, on les a défoncés. Je crois que c'est le dernier. Même pas. Oh là là, purée. Ils sont énervés. Allez, Tails, mais mal ton cul. Mal ton cul à deux queues, là. Bon, bah, évidemment. Dégagez. En espérant que je tombe pas, parce que des fois on peut tomber en faisant ça, c'est un peu con. Oui, parce qu'il va revenir par la suite. On aura un autre boss comme ça. Un autre boss avec des ennemis. C'est... con. Vous avez vu le talent? Le talent. Tout au talent. Avoir tous les A dans ce jeu, c'est incommensurable. Tails, how much time's left? Keep going, Tails, don't stop. Tails, Knuckles, give it all you got, full speed ahead. Allez, à fond les manettes là, à fond les manettes pour faire des E. C'est parti. Donc voilà, ce niveau est vraiment sympa aussi. Un niveau très... très rapide. Quelle vue! Nous voyons un JPEG. Bon, le thème est moyen par contre. Ça passe quoi. Enfin, c'est le thème du deuxième niveau de ce monde qui est pas mal, pardon. Plutôt pas mal. Mais pas assez bien pour figurer dans le top 20. Ah, mais quelle vitesse. Est-ce qu'il y a un autre jeu de plateforme qui est aussi rapide? Même juste un jeu de course. Ah si, peut-être Trackman. Non. Les trains, ils vont trois fois plus vite que nous. Ah,
light dash. C'est bien parti pour le A là. C'est bien parti. Mais c'est pas possible, à chaque fois il fait ce vieux truc de merde. Heureusement que il y avait un checkpoint juste à côté. Sachant que évidemment dans les Sonic 3D, les checkpoints ne sont pas obligatoires. Hein. Des fois on peut les louper. Contrairement à d'autres jeux de plateforme. Comme j'en sais rien moi. Ou comme Sonic Boom, voilà. Il y a des checkpoints invisibles dans Sonic Boom. Voilà. Là on voit très bien où sont les checkpoints, ben voilà, je viens d'en prendre un. Ce sont les trucs qui nous donnent un niveau de plus. Je tombe. I'm falling. Alors là on va prendre à ce petit énigme, hein, évidemment. Une énigme fait en 2 secondes. Et je crois que c'est la fin du niveau. Bientôt. Mais il est pas si long que ça, ce niveau-là. Enfin, c'est surtout les niveaux avec le flipper qui sont vraiment... Ils commencent à être longs, quoi. Voilà, donc là on a le plus badass, Knuckles. Qui... C'est quoi ce vieux bug? Attends, faut essayer d'aller sur les rails. Oh oui! Mais attends, ça va où après? Ah non, 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 non! C'est nul! Nous sommes tombés à cause d'un bug. Prendre Sonic, il va plus vite. Ah, purée. Mais qu'est-ce que... Mais comment tu veux esquiver ça? C'est incroyable. Vous imaginez vous faire de des phases de rail comme ça? C'est un petit côté skateboard et de le faire au-dessus du vide. Non, mais purée de gameplay de voilà. Ah, heureusement. Les points de passage ne sont pas rares. Ah, les failles continuent sur la chaîne Oliver Fa. Oh, mais quelle vitesse, quelle vitesse! Ah, je voulais direct sauter en bas, moi. Pour que ça fasse badass. Ok, la fin du niveau. Alors, je parie un kebab que je vais avoir un E. What? Incroyable, ils sont gentils. J'ai perdu 2 fois quand même. Et voilà. Bon, celui-là il est moins sympa à faire. Bah, juste la fin qui est pas mal. Souvent à la fin d'un niveau on a quand même un final assez stylé. Pour conclure le niveau dans Sonic Hero. Et ça c'est une assez bonne idée. Ah!
qu'on a plus dans les nouveaux Sonic, ou moins. Et j'espère que le Sonic 2017 vaudra vraiment la chandelle. En tout cas, le Sonic 2017 2D a l'air vraiment sympa. Sonic à l'ancienne. Et le nouveau Sonic 2017 a l'air d'être dans un monde apocalyptique. À la Sonic Unleashed style, un peu. Surtout que la cinématique faisait vraiment penser à du Sonic Unleashed. Ou aussi à la Shadow the Hedgehog. Si vous voulez aller encore plus loin. Mais ouais, ça fait plus style Sonic 2016 ou Sonic Unleashed, quoi. Même si Sonic Unleashed fait un côté épique et pas complètement apocalyptique. Parce qu'il y a des thèmes épiques. Comme le thème du boss final. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez vu ce speedrun? Ah, donc, normalement on passe pas direct comme ça ce passage. C'était une petite énigme. Pas si facile que ça à trouver au début. Ah purée! Mais quel talent, mais quel skill! Là je sens la note A. Oh là 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 là, mais cette esquive, Nom d'une gémule, c'est incroyable. D'accord. C'était le screamer du jeu. C'était un jumpscare. J'ai eu peur. En fait, j'ai plus eu peur avec ce jumpscare que le jumpscare qu'on a tout le temps dans... Comment ça s'appelle ce jeu de merde déjà? Un jeu sur PS4 d'horreur avec des adolescents prépubères qui sortent tout droit de trucs télé-réalité comme les ch'tis en Alsace, les ch'tis à Las Vegas, les ch'tis à Paris, les ch'tis à Londres. Les ch'tis à Green Hill Zone. Les ch'tis purée. Enfin vous voyez le truc. Voilà, c'est stylé ce passage. Voilà, carrément on va dans le chargeur d'un fusil gigantesque. C'est stylé. D'un gros magnum. C'est une bonne idée des développeurs. Et j'ai réfléchi pour le nom, mais je m'en souviens plus. Non, non, mais ce bug. Mais pourquoi Sonic se réceptionne mal sur les rails? Oh là là, en plus ils nous remettent là, purée. Parfait pour que la vidéo dure plus longtemps pour rien. C'est... Je kiffe. Ah, mais comment s'appelait ce jeu déjà, purée? Le jeu d'horreur là avec Ellen Page. Je sais plus. Je n'ai plus d'idée. Et avec les... Comment ils s'appellent les monstres, attends. Bon, je m'en souviens. C'est un jeu culte de la PS4. C'est à l'époque où il n'y avait pas de jeu sur PS4. Uncharted 4 n'était pas encore sorti. Même si perso, je m'en fous un peu d'Uncharted 4. Oh, ça. J'ai failli tomber comme une bouse. Ok, petit bug. Petit bug!
Petit bug. J'imite très bien Sonic. Ouais, on va dans les... Ah, il veut plus. Ah si, c'est bon. Il voulait pas au début. C'est y part. Incroyable cette phase. On va avoir une deuxième phase comme ça, plus compliquée. Parce qu'il y aura des... Enfin, je crois qu'il y aura des obstacles à la fin du niveau. Oui! Oui, il s'est bien réceptionné! On va mettre Tails dans notre équipe en fait. Car oui, il y a quand même des bugs comme ça des fois. Dans Sonic Heroes. On sent quand même que le jeu n'est pas complètement fini par moment. Surtout quand on voit qu'il veut pas faire ce putain de light dash. Voilà, le light dash. Tu sais ou tu sais pas le faire? C'est la deuxième phase. Quand on est dans un tunnel. Franchement, la sensation de vitesse par contre est là, vraiment. C'est très rapide. Sinon je sais plus le nom du jeu, donc je regarderai ça peut-être pour une prochaine partie. J'ai oublié, voilà. Ces jeux sont tellement lambda quoi, c'est tellement un jeu de base, un jeu lambda que je me souviens plus de son nom. Oh merde, il y a des obstacles. Oh, la caméra qui bug. La caméra qui a voulu nous faire un effet. Mais quel skill! Et on tombe. Magnifique. Ah, je pense que je vais passer des moments là, parce que là sinon la vidéo sera un peu longue. Quoique, non, artisanal style. On s'en fout, pas de montage. Enfin, peut-être que si je dis vraiment des choses inintéressantes en recommençant la même partie de niveau. Oh purée! J'ai connu plus fort que ça, Tails. Tu fais du karaté dans Sonic X. Oh là, mais ça c'est inesquivable. Mais non, on peut plus aller à droite à gauche. C'est mort. C'est mort. Ou à peine. Arrête de dire qu'on va pas y arriver. J'y crois, moi. Oh, on a réussi. Mais quel talent. Si on n'a pas la pire note du jeu, là, je ne comprends plus rien. Alors, quel est le dernier? Eh oui, quand Tails est tout seul, regardez, il balance des faux anneaux, des anneaux explosifs. Qui font une attaque éclair. S'ils veulent bien exploser au bout d'un moment. Oh purée, ces ennemis sont horribles. C'est des screamers. Ils arrivent d'un coup. Des pieuvres aux screamers. Allez, même pas d'obstacle. Moi j'ai rien dit. Et voilà, c'est la fin de ce magnifique niveau. Je le dis à chaque fois.
Et je vais encore dire un E. Il fallait forcément un petit E. Un petit E tout cute, tout mignon. Ouah, ça c'est... That thing's loaded with Eggman's weapons. Eggman, you're finished. Ah, je crois que c'était Eggman et bourré. Ma remarque. Remarque, on dirait qu'il est à moitié bourré là. C'est pas piloté. Ouais, loupé. Voilà, donc c'est un boss du même style que le premier. Sauf que... il vole. Enfin, il volait aussi avant, mais... là, on est carrément au-dessus d'un trou. D'un gouffre. Mais non! Mais non! Mais c'est incroyable! Mais d'où il vient, cet ennemi? Oui, ouvrez le feu. Ouvrez les fails aussi. Détruire quelques robots à bord du méca c'est pas trop ce que c'est. Bon, là on fait ça à l'infini. Allez, crève. Quel combat épique. Sonic qui fait des homing attacks à l'infini. Voilà, il fallait attendre. Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Il se prend dans l'hélice, Sonic. Ah oui, il a une autre forme. Une seconde phase. Avec cette fois-ci... la... comment on appelle ça déjà? Le dirigiste. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Le mini attaque à fond. En rythme, les enfants. Et je tombe. Ah non. Oh, j'ai eu peur. Donc il y a une troisième phase, je m'en souvenais plus du tout. Purée. Oh, il nous fonce dessus, là. Il est bourré. Bon, on n'avance pas assez vite avec Tails. Mais c'est pas possible. Allez, fonce nous dessus. Si t'en as le cran. Non, je veux pas tomber. Il va trop vite. Alors, on le bourrine. Non. C'est vraiment passionnant ce combat. Attention. Et bon, c'est pas un boss exceptionnel. Allez, mais crève, mais il veut pas mourir. On va avoir un C. Allez, C, D, E, F. Non, ça n'existe pas. Oh, j'aurais voulu... Attends, faudrait que je regarde dans le montage. J'ai l'impression qu'il a fait B et d'un coup C après. Si. It's not an Eggman robot. Sonic! Knuckles! Wait for me!
waveform data successfully copied. À suivre dans la prochaine partie. Donc, du coup, à la revoyure pour de nouvelles aventures. Pour la partie 3 de Sonic Heroes.